Allez, on continue avec un spectacle à ne pas rater. Les critiques sont unanimes. Et pour cause, le spectacle des Fierce Monkeys est pour le moins, allez, on va dire, singulier. Oui, un duo atypique de deux comédiens qui vous entraînent dans une débauche de rythme et de rire. À la fois mime, jongleur, batteur, depuis leur rencontre en 2005, les deux acolytes ne se lâchent plus. Christophe Fulin est allé les voir au Sentier des Halles. Regardez. Roulement de tambour, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'antre du Sentier des Halles à Paris où résonnent depuis quelques mois les coups d'un duo pas ordinaire. Mais non, pas ce genre de coups. Plutôt cela. Fierce Monkeys est un binôme composé de Yann Coste et Sébastien Rambaud, deux batteurs professionnels qui sont passés petit à petit du côté humoristique de la force musicale. Tu es plus bête que moi. Tu es encore plus bête. Voilà, ça a commencé vraiment comme sur des petits duels, un peu comme ça, progressivement. Ça s'est imposé à nous, vraiment. On avait envie de faire les ouaves, quoi, les sales gosses. Paris réussi, durant 1h15, les sales gosses se chamaillent, se taquinent, se confrontent gentiment à un rythme effréné. C'est un spectacle avec des paroles, mais c'est une langue complètement rythmique. C'est une langue qui s'appelle le taptada. Et effectivement, c'est un spectacle qui, en théorie, peut s'exporter partout dans le monde. On l'a déjà testé un petit peu à l'international. On a fait une date en Suisse et c'est très bien passé. Hein. On était 9, mais elle s'est très bien passée. Non, il y avait 9 spectateurs, ce qui veut dire qu'on était 11. Incredible Drum Show, avec un titre pareil, Fierce Monkeys peut bien entendu aller frapper à n'importe quelle porte en dehors de nos frontières. Une tournée est d'ailleurs prévue cet été au Canada, et la non-barrière de la langue n'est pas leur seul atout. En fait, on s'est rendu compte que quand on se plante, la plupart des gens pensent que c'est fait exprès. On retourne ça à notre avantage toujours, c'est ça qui est bien. Et même des gens qui nous disent « Ah, c'était pas fait exprès, ah, c'est dommage, parce que c'était quand même vachement mieux quand vous vous plantez. » Énergie, folie communicative, performance millimétrée, il y a tout ça dans ce spectacle original et hilarant. Les deux compères en culotte courte ont un bon coup de baguette, assurément magique.